pour une nouvelle vidéo. Normalement, là, vous allez nous suivre pendant quelques jours. On va mettre les panneaux sur le bus, pour remplacer les vitres. Pour remplacer les vitres, voilà, c'est ça. Donc, on ne sait pas trop encore comment ça va se passer. On a 2-3 jours de beau temps devant nous. C'est ce que j'allais dire. Il faut juste qu'on se dépêche pour le beau temps parce qu'après, il y a du vent, je crois, qu'ils annoncent pour ce week-end. On va essayer de s'organiser. Je ne sais pas trop encore comment je vais les fixer. Enfin, voilà, c'est les premières qui vont être le plus compliquées. Ensuite, quand j'en aurai posé une ou deux ou trois, ça va aller tout seul. Et là, on revient de l'Adréal. On a été se renseigner, on a pris rendez-vous avec monsieur de l'Adréal pour savoir ce qu'on pouvait faire, expliquer le projet, expliquer l'aménagement. Et du coup, on est content parce que tout ce qu'on voulait faire, ça va passer nickel. Ouais. Donc voilà, c'est rassurant. On a nos réponses à nos questions. Donc, voilà, ils ont répondu impeccable à toutes nos questions. Et on sait que maintenant, on peut commencer à attaquer les travaux sérieux. Là, ça va être du bon. Voilà. Trop classe. Donc on vous dit à... On va pouvoir tout péter. On vous dit à tout. On a déjà tout pété. Merde. On vous dit à tout à l'heure. Et puis ben voilà, on va attaquer tout ça. Hein. C'est parti. Allez, go. Qu'est-ce qui t'arrive, mon chouchou? Je me suis trompé dans la cote des plaques. Des panneaux de bois. Des panneaux de bois. Il n'y a aucun panneau qui est bon. Je suis dégoûté. Toi aussi? Bah ouais, je suis dégoûté. Comment j'ai pu me gourer, j'ai mesuré 4 fois. La hauteur c'est bon. Seulement la longueur, j'ai chié de. Bah t'as pris la mesure extérieure et j'ai t'as pas été sur les montants. Centimètres, donc ça va me décaler partout dans le montant. Donc je peux poser aucun panneau. Que les panneaux derrière. Que les panneaux derrière. Parce qu'ils étaient plus longs, donc j'avais pris une marge. Ah oui, d'accord. Et les panneaux de devant sûrement aussi. 1, 2, 3, 4, 8 panneaux. J'ai 8 panneaux de foutu. Et puis c'est mort, c'est pas des trucs qui remboursent ça. Ah bah non, non, bah non, c'est moi qui me suis trompé. Sans ça ne serait pas une idée de me faire rembourser. Non, pas de faire rembourser, mais de faire un échange ou faire je sais pas quoi. Il n'y a pas 36 solutions. C'est où on en rachète. Le bois, je m'en servirais pour faire des meubles ou je ne sais quoi. Mais là, on est mal. Et en plus, s'il ne restait plus le coup de ces planches-là, je suis même pas sûr qu'ils puissent me la faire. Il va falloir qu'on trouve une solution. Là, on est mal, on est mal, on est mal. On est très mal. On est vraiment très mal. Bah, faut pas perdre de temps à le rappeler et puis voir avec. Ouais, toi, t'as pris l'encadrement extérieur, t'as pas pris jusqu'au montant en fait. J'ai pris de là. Extérieur. Ah là. Dehors. C'est pareil, c'est pareil. Bah non, c'est pas les mêmes centimètres. C'est quasiment pareil, à 160,5. Il y a 1 centimètre. Et normalement, j'aurais dû prendre au mieux. Il me semblait que j'avais pris au mieux. Je suis quand même pas débile à ce point-là. Ouais, j'aurais dû prendre de là à là. Je suis à 166,5. Donc si on met les panneaux comme ils sont là, déjà ça va pas aller. Déjà ça va pas aller. Et je vais avoir un gros jour au milieu avec le montant. Ou alors on mettra un truc de dilatation, mais je pourrais même pas les coller de toute façon. Bah tu vas les faire tenir sur quoi ça? Je pourrais les faire tenir nulle part parce qu'ils sont plus poil ici. Là on est mal. Moi je vous le dis, on est mal. Je comprends pas comment j'ai fait. J'avais pris la mesure sur ce carreau là. Il est pas plus petit ce carreau là. C'est celui que j'avais cassé. C'est pour ça que j'avais cassé au départ. Non, c'est le même. 166,5. Et j'étais mettre 159,5. 7 cm. 7 cm, c'est énorme. Je peux pas me reprendre. Je peux me reprendre nulle part. Voilà, si je me mets là, je peux pas les coller en fait. Je peux tout simplement pas les coller. Voilà. Et dire qu'on devait faire ça demain. Là, je suis cœuré. Qu'une envie, là, c'est de foutre mes savates et merci, bonsoir. Coucou. Ouais, j'ai le sourire, mais le moral est pas là. Bon, ce qui est sympa, c'est qu'on nous a donné une petite gazinière. Charlotte est en train de la nettoyer. On va mettre un petit coup de peinture. Nickel. On a bien réussi à la ravoir. Voilà. Plein de on va tout partout, repeindre, là. Que ça soit propre, et puis ça va nous dépanner dans le petit auvent. Et puis bah moi je peux monter juste deux panneaux, les deux panneaux arrière, ceux-là, il n'y a que ceux-là que je peux monter. Donc on va faire ça avec Charlotte. Et bah dégoûté quoi, faut recommander. Non, je peux monter les panneaux devant aussi, voilà. Donc j'ai 8 panneaux à recommander. Ouais, il y en a 8, ça va. Donc un peu dégoûté, ouais, il y en a 8, ça va, mais bon, c'est vraiment les bouts là.
Mais bon, ben voilà, c'est tout. Après, les panneaux qui ont été découpés, je vais m'en servir, bien évidemment. Ça va quand même servir, mais on prépare tout, on met du temps. Ça y est, on laisse sécher la peinture. Vas-y, on pose. Et là, je peux mettre que quatre panneaux. Et là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Mais bon, on va les recommander là avant-midi. Et puis, on a bien repris les codes deux fois avec Charlotte pour être sûr. Mais tu les avais Normalement, bien ça pris quatre devrait être fois, bon. hein, pourtant. Ouais, je les avais pris quatre fois, mais quatre fois pas bien. Donc, on va se débrouiller. Tant pis, ça va le faire. Ouais. C'est fait, c'est fait, hein. C'est fait, c'est fait. On est d'accord. Allez, on vous laisse et on fait ça. Bon, voilà, j'ai découpé ma planche. Maintenant, je vais faire des petits trous avec légèrement évasé, vous savez, avec les petites mèches exprès. Et ensuite, je viendrai poser la plaque. Je ferai mes repères. J'enlève ma plaque, je viens faire mes trous dans mes montants et ensuite je reviens, je revisse toute ma plaque avec mes vis pour voir si c'est bon. Je renlève la plaque, je l'encolle et je viens la revisser définitivement. Elle sera vissée collée. Voilà. Et ensuite les trous de vis seront bouchés avec un petit mastic de carrossier. Normalement ça se verra. Là, c'est la pression, on va coller et poser définitivement la première, la toute première. Mettre ta
une échelle plus loin. Vas-y. C'est bon. Et là, on fait quoi maintenant? On est comme des cons. Ça monte. Faut que tu sois pile poil bien dosé. Et déconne pas, Charlotte. C'est bon? On la pose comme ça? Et puis on la... Ou pas? Ouais, faut être bien. Vas-y, allez, on commence à lever. Allez. C'est bien aussi. Vas-y, pousse. T'en pousses vers moi un peu. Pas trop. C'est bon? Ouais, vas-y. Bouge pas, Charlotte, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Non! En haut pour te soulager. Vas-y, hein. Maintiens, maintiens. Je maintiens, je maintiens. Ah, j'ai pas de force là. C'est bon. Attends, j'arrive. Ouais, vas-y, arrive. De l'intérieur? Bah, je sais pas, je peux le faire si tu veux, non? Si t'as peur. Impeccable, regarde comment c'est bien collé là. Alors donc voilà, j'ai tout jointé entièrement, les côtés, le dessus, le dessous, voilà. Ensuite, il y aura des baguettes qui vont venir ici, je vais faire faire des baguettes, vous voyez, un petit décalage, mais ce sera des baguettes qui seront justement en décalage. Je vais les faire faire sur mesure, donc ça c'est plutôt cool. Franchement, je suis trop content du résultat, je regrette vraiment pas. Vous voyez, l'intérieur, pareil, j'ai tout rejointé, donc là je peux vous dire que si l'eau passe, je comprends plus ce qui se passe. Voilà, vous voyez, ici c'est entièrement rejointé. Donc c'est vissé, jointé les deux côtés. Là, ça bougera pas, quoi. Moi, je suis vraiment content de ces panneaux. C'est vraiment... je suis vraiment content de ça. Je regarde vraiment pas. Ils se sont bien courbés. Ouais, c'est du costaud, hein. Balancer un bonhomme dedans, il passe pas à travers. Ça serait une tôle, c'est pareil, mais la tôle... une tôle, ça fait du bruit, il faut mettre des renforts. Ça condense. Là, c'est déjà plus ou moins isolant par lui-même, en fait. Vous voyez, vous touchez le bois et vous touchez la ferraille, bah, il y a un écart de température déjà. Donc je suis vraiment content, j'ai acheté ça sur, bah, vous le savez, je vous l'avais dit, mais je peux vous le répéter, sur contreplaquémarin.com, c'est très simple à retenir, contreplaquémarin.com, parce que ça c'est du contreplaqué marin, fibré des deux côtés, avec une couche de fibre qui est assez conséquente, donc franchement c'est du costaud, j'ai mis ça sur flash et je ne regrette vraiment pas, et là on a recommencé pour Captain. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site contreplaquémarin.com et bah, il a été cool en plus le gars parce que je l'ai rappelé, et il dit bon ben voilà j'ai chié dans mes côtes, donc il s'est en train de voir pour me faire les panneaux plus vite et me livrer normalement mardi prochain.
Donc franchement, c'est là qu'on voit, c'est des gens qui ont envie de travailler, qui sont professionnels. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir m'aider au plus vite, quoi. Donc c'est cool, c'est là qu'on reconnaît les bonnes entreprises. Donc je suis vraiment content d'avoir travaillé avec eux et de vous les conseiller tout simplement. N'oubliez pas de nous le dire, vous, qu'on était en train de prendre le tendeur, vous l'avez vu! Bordel! On est tellement concentré avec la planche que du coup on regarde pas à côté. Bon bah je te laisse faire ça. Comme dans Fort Boyard, et de deux. Tu fais quoi? Pourquoi tu filmes comme ça, toi? T'as que ça à faire. J'étais en train de te suivre. Pourquoi tu fais quoi avec ça là? Je suis en train de déménager mon coffre. Oh bah ça va, ça passe dans une brouette? Bah non, j'en ai emmené déjà pas mal. Ah bon? Je pensais pas qu'on en mettait autant. Ça fait drôle, hein, moi je suis en train de vider tout bah l'intérieur. Là, ça m'a fait quelque chose parce que c'est mes outils, j'avais tout bien rangé dans des petites boîtes et tout. Enfin, il y a un petit peu de bordel. Oh, il est triste, Jérémy. Non, je suis pas triste, mais je me dis. Déjà, j'ai pas d'endroit pour tout ranger. Là. Enfin, il va falloir les redévirer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas pratique. Mais je me dis, ah ouais, c'est bizarre, c'est symbolique en fait. Là, ça y est, j'enlève mes outils, ça veut dire que ça y est. Hein. Moi, il me reste juste aussi un placard dans Flash. Ouais, et c'est bon, après, tout on est fait vide. Un grand coup de ménage, on fait 2-3 bricoles. Qu'il y a à faire, quoi, on en profite tant qu'il n'y a plus rien dedans. Ça fait drôle quand même qu'il soit tout vide. Ça fait vraiment bizarre. Hein. Ouais. Ça c'est fait déjà 3 jours qu'on dort dans la caravane. Ouais. Et là, on se dit, ouais, ça se vide, ça y est, on déménage dans une nouvelle maison. T'as vu, on a été se laver dedans. C'est bizarre. Hein. Ouais, ça. Il avait une drôle de sensation. Ouais, c'était vide. Ça faisait vide, voilà. Ouais. Il n'y avait plus de vie. C'est trop bizarre. Ouais. J'espère qu'il va vite retrouver vie bah oui. Avec les gens derrière. Alors, vous allez dire, ça reste qu'un véhicule. Ouais, mais. Bah, c'est pas qu'un véhicule. C'est hein. plus qu'un véhicule, en fait. Hein, bah, bien sûr. Dans notre villa. Mais bon, j'avoue, bah, ça fait drôle. Je finis tout ça. Et puis, ouais, bah, garde le sourire. Hein. Ah non, je vais le sourire un peu plus. Pop, 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 pop. Oh non, pas la boîte d'ampoule, ça vaut une blinde, ça, putain. Jérém, tu pouvais pas la caler mieux que ça. Mais tu l'as... toi, tu pouvais pas le faire. Tu l'as cassé? Non, ça va. T'as de la chance, sinon je t'aurais défoncé. Bon allez, parce que moi j'ai du boulot. Je vais arrêter de te suivre. Ouais, ça vient de t'activer un peu. Là. J'en ai moins que toi à finir. Et après j'ai les soutes. Ouais, les soutes, ça va aller vite. Il n'y a plus grand chose. Ouais, j'ai déjà commencé à enlever. Ouais, il n'y a plus grand chose. Heureusement que ça se fait plus tard que prévu. Bon, je pense qu'on se. On aurait dû libérer Magie. Ouais, on aurait tout foutu en bordel. Parce que là, on n'était pas plus motivés que ça, mais on aurait mis un bon coup de nettoyage, ça aurait été vite. Hein. Je suis sûre, en une journée, on aurait pu tout faire. Tu crois? Ouais, avec un bon coup de motivation. Allumette aussi, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Ouais, elle est stressée, Allumette. Elle commence à prendre ses marques dans la caravane. T'as vu, non? Allumette. Au début, elle savait pas trop comment faire. Attends. Oh, les caresses, c'est trop bon. J'ai zoomé sur elle. Bon, au début, elle était avec les petits. Mais elle faisait que de dormir avec eux. Et bah, elle mettait plein de poils partout. Du coup, bah, maintenant, elle dort avec nous dans son panier. Ça, c'est du chien, ça. Chien d'attaque. J'aimerais bien lui trouver un petit compagnon, quand même. Bah, t'es déjà là.
Non, mais un compagnon de la même race. C'est ce que je dis, t'es déjà là. Ah, moi, je suis un chien. Arrête, arrête, arrête. Arrête, j'arrive. Moi, je suis un... Putain, sérieux, lui. Ah, tu m'as fait mal. Qu'est-ce que je vais lui trouver comme compagnon? Une bonne grosse chatte. C'est ça, ouais. Tu ça rêves. Dégoûté, là. Tu rêves. De toute façon, je l'ai éduqué pour... Je l'ai éduqué contre les chats. Et les chattes. T'as pas fait le ménage ici? Bon, allez, je coupe parce que là, tu m'agaces. C'est quoi ce bordel ici, là? J'attendais que tu le fasses. Trouve un petit vélo à la déchetterie. Regardez. Ouais, nickel! Youhou! Excellent! Ça y est, Julia, tu sais faire du vélo? Ouais, c'est bien ça. Oh! Allez hop, c'est parti! Qui c'est qui fait du vélo sans roulette? C'est vraiment un petit slip. Pas très sûr, tiens, vas-y. C'est très pousse. Oh là là, la dégaine. Ah, attends. Ah ouais, ça fait les jambes, moi. T'as vu? Non, on te voit en noir. Merde. Et maman? Maman, elle, on la voit bien. C'est normal, je suis la plus belle. Faut qu'on vous montre en fait comment on est dans la vie de tous les jours avec Charlotte. Regarde, elle est en train de ranger 2-3 trucs. Et puis en fait, on est en train de parler flash. On dit, ouais, ça y est, moi j'ai vidé mon coffre. Moi, il me reste plus que les draps à enlever. Est-ce que je laisse les draps et tout? Je dis, non, tu les enlèves. Est-ce que les matelas? Il faudra nettoyer sous les matelas, passer l'aspirateur. Et elle me dit... J'ai déjà fait à Julia. Et du coup, moi, je fais un truc. Elle dit, j'ai déjà fait ce qu'il faut que je le refasse. Mais je dis, bah évidemment, faut le refaire. C'est bien évidemment que c'est sale. Ça va pas se faire tout seul, hein. Et du coup, on rigole. Et je dis, je le fais bien. Non, t'as dit, je le fais bien, connard. Je le fais bien. Non, non, j'ai dit, je le fais bien. C'est là que toi, tu m'as dit, connard, ouais, tu le fais bien. Non. J'ai dit, je fais bien le connard. J'ai dit, ouais, mais t'as pas besoin de te forcer. Mais en fait, on se dit, est-ce que ça existe vraiment des gens comme ça? Bah, je pense hein, que ça doit exister. Des gens qui font ça? Bah, bien sûr que c'est pas propre ce que tu fais là. Espèce de crado, va. Bah, bien sûr. Bien donc sûr. Voilà, on était en train de rigoler avec ça. On a dit, faut trop qu'on vous le montre. Non, on l'a pas fait, c'est pas naturel, mais. Hein? C'est trop drôle. Faudrait qu'on ait une petite caméra qui nous suive tout le temps, tu sais. Non, mais on a une vie aussi, hein, tu crois. Mais dans notre vie, on est comme ça tous les jours, en fait. Sans arrêt, on est en train de se balancer des vannes et tout à longueur de journée. Ah, du coup, c'était trop drôle. J'en peux plus de ce gars. Et du coup, je me demandais, est-ce que ça existe vraiment des... Des gros cons, bah oui. Des connards comme ça, qui parlent comme ça à leur femme. Il y en a, ils vont se reconnaître, plutôt... tu crois? T'as plutôt pas intérêt, sinon je t'éclate. Je me suis blessé. Est-ce qu'il y en a, ils vont se reconnaître? Bah, je sais pas, mais au moins peut-être qu'ils vont se reconnaître et ils prendront peut-être conscience que c'est des cons. Non, mais attends, tu fais quoi là? Tu ranges des godasses dans une épicerie, toi? Tu mets pas d'épicerie là? Et toi, t'as pas tout compris là? Des étages ou quoi? Il y a plein de souris ici. Et on range pas des chaussures dans une map d'épicerie? Les souris avant de venir me bouffer ma bouffe. Bah, justement, ça se ferme. Comme ta bouche, tiens. Faudrait bien la fermer un peu plus souvent. Et dépêche-toi, ça va pas se faire tout seul ici, hein? Avec tes petits. Toi, tu tiens pas à ta vie. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Morue! C'est toi, mon dépêche-toi! Tu vas faire quoi? Tu vas faire à manger après! Et tu vas te dépêcher! Tu vas faire
Hein? Et tu iras faire le biberon, gosse! Je vais en bar avec mes potes! Morue! Quand est-ce qu'on va pouvoir l'enlever cette capuche? Franchement, il fait super froid, il y a un petit vent. Demain, ils annoncent 16 degrés. Franchement, ça ferait du bien, quoi. Parce que là, ça caille vraiment. Donc là, j'ai fini d'enlever tous les autocollants. Vous voyez, je suis perché en haut de mon échelle. Tout ce côté-là, on est tranquille en autocollant. Donc c'est plutôt cool. Je suis en train de bricoler à côté d'un magnifique coucher de soleil. Et d'une magnifique fleur. Voilà, sur ce, on va dire au revoir à nos petits bandits. Ouais. On espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, hein, on fait tous des erreurs, et surtout moi, je suis le premier à en faire, et souvent. Et bah, du coup, ça fait 8 panneaux achetés. Voilà, la petite. Je vais me faire corriger par Charlotte ce soir. Oh, je vais faire plus souvent des erreurs. Donc, on vous fait à tous des gros bisous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc là, ça va un petit peu stagner parce que je vais attendre les panneaux. Voilà. Allez, à bientôt les bandits. À bientôt les bandits, mettez les petits pouces. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas d'en parler à tout le monde. À vos collègues de boulot, à vos amis, vos cousins, vos cousines, tout le monde. Il faut que tout le monde soit au courant que les œufs vadrouilleurs existent. Et qu'ils vont bientôt parcourir le monde entier. Wouh! Non? Ouais. C'est assez sympa. Bon, bah, je sais pas, j'ai trouvé que ça. Allez, bisous, bye bye!